Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous nous intéresserons au mystère qui entoure l'amour. Alors, pourquoi l'amour est-il si important dans notre vie? Nous allons découvrir notre spécialiste de jour. Allons à la régie pour écouter le jingle. Parole au spécialiste. Eh bien, notre invité de ce soir, Anon Hippolyte Fatoumbi, il est souverain grand métatron à l'ordre des marins pêcheurs de l'école transcendantaliste universelle. Il est basé en Côte d'Ivoire. Monsieur Fatoumbi, bonsoir. Bonsoir, Prévert. Nous parlerons aujourd'hui du concept d'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? L'amour pourrait être défini comme étant un état de conscience, de joie, de paix, générée par un acte de sacrifice. Et parce que si vous êtes en joie, si je vous donne quelque chose, moi je perds, donc c'est moi. Je suis la source du sacrifice, mais ça produit chez vous une certaine joie, un certain bien-être. À partir de ce moment, je génère l'amour par mon sacrifice. Donc cela veut dire que il ne peut pas avoir de joie sans sacrifice. Il ne peut pas avoir d'amour sans que cela ne soit créé quelque part par un acte de sacrifice. On dit alors que l'amour et le sacrifice sont les deux faces d'une même réalité et l'un ne peut exister sans l'autre. C'est le cri de l'enfant suite au gémissement de la mère. C'est le bien-être des enfants qui réussissent socialement suite à l'endurance du père, au travail et à l'effort fourni par le père pour créer un certain bien-être à ses enfants. Parce que s'il ne le fait pas, s'il ne se met pas à l'œuvre, nous dirons qu'il n'a pas fait preuve de sacrifice et donc il ne crée pas les conditions de mieux-être pour ses propres enfants. Donc l'amour n'est pas une génération spontanée. Elle se crée, elle se mérite et elle peut s'étudier sur plusieurs plans, plusieurs niveaux. Il y a un mot qu'on appelle Eros. Eros, c'est le premier niveau de l'amour. Et cela veut dire avoir envie d'aimer. Alors, le Eros, H et Eros, veut dire l'homme qui a envie d'avoir envie d'aimer. Alors, s'il a envie d'avoir envie d'aimer, sa vie est faite de lutte, d'héroïsme, de combat. Mais dans quel but? De créer un mieux-être social, de générer les meilleures conditions de vie pour ceux qui l'entourent. Et il sera récompensé selon ses actes. Mais l'amour peut être aussi généré à un niveau supérieur, celui du social. On parle d'agapé. Et l'agape, c'est ce partage fraternel. Donc quand on quitte le niveau individuel, on remonte au niveau social, cette joie que nous pouvons créer, générer, mais au niveau social. Donc, c'est un niveau supérieur à celui de l'amour « j'aime, je n'aime pas » le Eros. Et au troisième plan, l'amour se manifeste par le plaisir d'aimer, aimer pour aimer. Là, c'est la philia, et ceci se matérialise sur l'arbre de vie parce que la colonne de droite est celle de l'amour. Et la colonne de gauche de l'arbre de vie est celle de la connaissance. Mais
L'amour, le éros, cette passion qui nous pousse à aimer l'autre, est celle qui se manifeste au niveau de Netsa. Et l'amour social au niveau de Chesed est l'amour pour le plaisir d'amour, pour le plaisir d'aimer au niveau de Chokhmah. Et c'est justement là la sphère christique. Et le Christ peut être défini comme la personnification de l'amour, l'amour personnifié. Et quand l'amour personnifié, au cours de son premier discours, parce que quand le Christ a voulu se manifester sur le plan terrestre, il a prononcé son premier discours programme, La béatitude. qu'on appelle les béatitudes. Il y en a 9. Alors, quand l'amour personnifié vous dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Quel est le sens profond de cette proposition biblique? Ça veut dire que l'être humain, en définitif, n'est pas venu sur terre pour jouir de la vie, mais pour la créer, pour créer la vie. La vie l'a investi. Quand Dieu nous investit, c'est déjà un acte de sacrifice pour Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas facile de s'enfermer et de devenir un prisonnier de l'espace. Mais l'être humain doit recréer cette vie au travers des épreuves quotidiennes. Et c'est ça, c'est là le sens de notre présence sur cette terre. Alors, Monsieur Fatoumbi, quand on parle d'amour, l'amour, il est quand même, il est difficile d'aimer. Et souvent, dans l'acte d'amour, l'acte d'aimer, ça génère ce qu'on pourrait appeler la souffrance. Alors, pourquoi il en est ainsi? Je vous ai dit tout à l'heure que si je vous donne quelque chose, vous vous imaginez que si vous gagnez 300 000 par mois et que vous offrez 10 000 francs à quelqu'un, vous lui donnez une journée de travail. Ces 10 000 francs peuvent lui sauver la vie. Donc votre sacrifice, une journée de travail, a sauvé la vie. C'est pour cela que je disais que la vie elle-même ne saurait exister si elle n'est pas précédée par un acte de sacrifice. Sacrifice. Ce n'est pas possible. Et j'ai aussi précisé que le gémissement de la mère fait suite à la joie de voir un enfant pleurer. Tout porte à croire que l'être humain, par son sacrifice, génère la vie. Et ce qui nous fait souffrir, c'est que nous ne comprenons pas, nous pensons que nous sommes venus sur terre pour être heureux. On doit être heureux à tout moment. Non. L'être humain est l'essence même de la vie. L'être humain a en lui Dieu. Ça veut dire que l'être humain en lui-même n'a jamais été créé et il vivra éternellement. Vous qui êtes là, vous n'avez jamais été créé, puisque l'essence divine fait partie de votre être. Vous êtes, votre nom est codifié dans la Bible, votre nom, vous êtes un programme immense de Dieu. Et Dieu se voit à travers vous, il voit son univers. Et je dis et souvent aussi, un beau paysage a beau être beau et magnifique, s'il n'y a pas
Un être humain pour observer ce beau paysage, Ça ne sert à rien. elle n'existe pas. Parce que c'est Dieu qui se contemple à travers l'homme. Et en ceci, il nous a investis pour nous donner la vie. Vous imaginez que pour vivre, nous buvons de l'eau. L'eau fait partie du corps de Dieu. Nous respirons l'air. L'air fait partie Du du corps corps de de Dieu. Dieu. Non seulement il nous a investis de son essence pour nous donner vie, pour pouvoir exister, nous mangeons encore Dieu. Donc nous vivons par son sacrifice. Et notre vie terrestre consiste à recréer cette vie. Et pour recréer cette vie, cela doit passer par l'usure. Et qui dit usure, dit sacrifice. Et comprendre le sens profond du sacrifice. Et je vais vous donner un exemple. Si vous avez un problème sérieux, vraiment sérieux, cherchez à rendre les autres heureux. Achetez par exemple du riz et puis mettez-les dans votre chambre pendant un certain nombre de jours. Imprégnez-les de vos espoirs, de vos souhaits. Et quelques jours après, donnez-le à manger Les gens qui en ont besoin. aux gens qui en ont besoin. Votre problème sera résolu. Pourquoi? Parce que par votre... Supposons que vous avez acheté du riz pour 20 000. Ça fait 2 jours de travail, 2 jours de sacrifice. Vous vous êtes levé chez vous, vous avez pris votre mobylette ou votre voiture. Tout pouvait vous arriver. Vous avez travaillé, peut-être votre patron vous a crié dessus. Vous avez supporté et vous offrez 2 jours de votre travail à ceux qui ont besoin. C'est l'âme des personnes qui ont mangé ce que vous avez donné qui vous sauvera quand vous aurez besoin de l'aide. Parce que nous sommes interconnectés. Ouais. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un. Et pour 2 jours de travail, de sueur, vous l'avez donné aux enfants qui n'ont pas à manger. Et ils vous sauveront. Et c'est en cela que je dis que si nous montons un peu au niveau social, Ouais. un homme politique qui pense fortement au bien-être des gens de sa région, qui se bat, qui ne dort pas et qui fait tout pour que les gens vivent mieux, n'a rien à craindre. Parce que l'univers, nous sommes tous interconnectés et il n'y a pas cette force-là qui peut vous terrasser. En définitive, les gens courent pour se protéger par-ci, par-là, parce qu'ils n'ont pas conscience du pouvoir de l'amour et du pouvoir de cette force intérieure de chercher le bonheur et le bien-être des autres. C'est divin. Et c'est pour cela que l'amour personnifié, je veux dire le Christ, Oui. dit heureux ceux qui ont soif de justice, heureux les affamés, car ils seront rassasiés. C'est tout le christianisme est contenu dans ce discours programme du Christ. Celui qui a compris ça saura que dans le gémissement, dans ce qu'il vit comme épreuve, il est en train de s'user, en fait, de se séparer de ce qui en lui n'est pas divin pour se rapprocher de plus en plus de la source de vie. Car quand le Christ dit heureux, ça veut dire que
Ce que vous endurez vous rapproche de moi, et je suis la source de vie. Je suis la vie, je suis la vérité. Quoique, lorsque nous découvrons l'amour, nous comprenons que l'amour n'est pas la finalité, mais le début d'une autre vie. Oui. Mais pourquoi on dit que l'amour est plus grand que la foi? Et ça, c'est Saint Paul qui l'a dit. L'amour, c'est la vie. Pour avoir la foi, même, il faut que tu sois en vie. Et la foi, c'est cette certitude intérieure que nous avons sans avoir vu. Cela présuppose que, intérieurement, nous vivons d'autres réalités. Sur le plan de la réincarnation, les gens qui ont une foi profonde, c'est des gens qui ont déjà préalablement vécu les expériences et que ces expériences sont enracinées en eux comme des préceptes indélébiles, comme ce qu'ils ne peuvent pas effacer. Donc la foi se mérite. Alors, Monsieur Fatoumbi, comment comprendre, par exemple, le sens de l'exhortation du Christ quand il dit « aime ton prochain comme toi-même ». Oui, je viens de dire tout à l'heure que nous ne sommes pas séparés. C'est l'illusion de la séparation. En fait, nous tous êtres humains, nous sommes venus sur cette terre pour faire le même travail. La glorification de l'amour. Et bien sûr, il y a un autre adage qui dit « Le monde que tu vois est le monde que tu es. Tel un homme voit, tel il est. » Et je pense aussi, au cours d'une émission ici, nous avons dit que l'être humain, toi Prévert, tu es seul sur la terre avec Dieu. Donc tout ce que tu vois autour de toi, c'est Dieu. Ah, si donc tout ce que je vois autour de moi, la nature devient alors comme un miroir et je me mire. Et la qualité de ma pensée me met dans les conditions que je mérite. Donc je suis devant toi aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça fait partie, et c'est ce que Dieu veut que tu vois. Ainsi, quand on arrive à une certaine dimension, l'être humain se dit qu'il est appelé partout où il se trouve. Vous pouvez vouloir démarrer votre voiture de chez vous, ça ne démarre pas, et quelque temps après, vous redémarrez, ça prend, et vous arrivez à un carrefour et voilà un accident qui est sur le point de se produire et qui n'a pas eu lieu. Votre simple regard, votre simple présence peut éviter cet accident. L'accident est évité parce que vous êtes là. Parce que la façon, la manière dont vous manifestez Dieu dans votre vie a voulu protéger une personne et la nature vous a ralenti pour que vous soyez en cet instant précis pour protéger cette personne. Partout où vous êtes, sentez-vous appelé. Et de la qualité de notre vie, nous ne pourrons jamais être en un endroit que nous ne méritons pas. Et tout ça, c'est la force de l'amour. Mais le Christ nous demande d'aimer le prochain, d'aimer également nos ennemis. Est-ce qu'il est possible d'aimer véritablement quelqu'un qui vous fait, quelqu'un qui vous malmène, quelqu'un qui vous crée des soucis, entre guillemets un ennemi, un adversaire? Est-ce que l'on peut véritablement dire qu'on aime son ennemi, quelqu'un qui est contre vous? Tout cela dépend de notre degré
d'élévation spirituelle. Spirituel. Parce que l'ennemi, je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire de deux âmes ils étaient au ciel et ils disent, moi je m'en vais sur la terre et je me prénommerai tant. L'autre âme dit, je m'appellerai comme ceci. Et la première âme dit, moi je m'en vais apprendre à aimer. Ah bon? Tu vas apprendre à aimer? D'accord. Je serai là pour t'aider à apprendre à aimer. Et les deux viennent sur la terre, ils se rencontrent, bien que ce que je suis en train de dire soit comme raconter des contes, mais en vérité, c'est presque la vérité. Ils se rencontrent, ils commencent à s'aimer et ils se marient. Celui qui dit, je vais sur terre pour apprendre à Pour aimer, apprendre à aimer. supposons que c'est l'homme, et il se trouve maintenant devant sa femme qui avait promis de l'aider à apprendre à aimer. Voilà que la femme commence par sa façon de vivre, par tout ce qu'elle fait, justement à ne pas aller dans le sens de votre bien-être. Mais généralement, on a oublié les pactes des âmes. Les âmes tissent entre elles des pactes. Mais arrivés sur terre, nous ne sommes pas obligés de respecter. Pourquoi on n'est pas obligé de respecter les engagements qu'on a pris dans le monde des idées, pour parler un peu comme Platon, avant de venir sur Terre? Oui, si l'épreuve est trop dure, on peut dire comme Jésus, Seigneur, enlève-moi ce calice d'amertume. Ça veut dire que nous repoussons l'échéance de l'apprentissage. Que nous veillons ou que nous ne veillons pas, nous allons devenir amour. Mais ça s'apprend. Mais quand je ne peux pas supporter une épreuve dans cette présente vie, je peux la reporter. Et la nature vous donne plein doigt. Ah, donc c'est la plupart des cas des divorces, c'est qu'on n'est pas prêt à supporter les pactes entre les âmes. Vous trouvez d'autres personnes jusqu'à ce que, ne vous en faites pas, la même personne dans une autre vie, vous pouvez la rencontrer, mais là, vous serez déjà peut-être un peu plus fort pour supporter maintenant et aller. Et c'est pour ça que là-haut, on ne juge pas. On ne juge personne. Chacun fait les choses en fonction de ses capacités. Mais lorsqu'on prend conscience que cette personne qui est devant moi veut m'enseigner quelque chose, par exemple, ma femme est belliqueuse, coléreuse, je peux exploiter ses défauts pour grandir. En quoi faisons? Supposons qu'elle vous incite à la colère et que vous dominez. Heureux les pacifistes. C'est le Christ qui l'a dit. Cet acte de domination génère dans votre vie une force, celle de l'amour, celle qui vous permet de transcender les obstacles du moment. Ça veut dire qu'en fait que le discours programme du Christ consiste à nous inciter à dépasser les obstacles. Ne cherchons pas à dévier de notre voie les obstacles. Parce que l'obstacle est la voie. Il n'y a pas une voie toute faite. Face à l'obstacle, c'est là que nous devons mettre en mouvement notre capacité divine. Et on voit que par miracle, les choses, la voie s'ouvre et on avance. Donc, en termes clairs, aimer son ennemi, entre guillemets,
cela relève d'une grande élévation spirituelle, Haïs, véritablement. son ennemi, vous lui donnez l'outil pour vous abattre. Oui, parce que aucune force ne peut surmonter l'amour. C'est impossible. Et l'ennemi le plus coriace, si vous lui offrez votre amour, mais c'est parce qu'on ne voit pas toutes ces forces qui sont autour de nous. Prévert, est-ce que tu peux t'imaginer qu'autour de toi, il y a toute une cohorte d'anges qui président à ta destinée? C'est là que tu te rends compte que chaque être humain est important devant Dieu. Et qu'on n'est pas seul. Non, pas du tout. Mais généralement, on pense qu'on est seul. On se dit, mais comment faire, comment vais-je faire aujourd'hui pour Non. me protéger, pour me mettre à l'abri, De alors qu'en l'être réalité, on n'est humain, pas peu seul. importe, c'est parce qu'on ne comprend pas. Et comme je l'ai dit, surtout le politicien, il a une opportunité immense pour grandir. Parce que là, vous vous connectez à plusieurs âmes et vous œuvrez par votre sacrifice quotidien à rendre la vie meilleure à ceux-là. Non, c'est une opportunité immense. Et c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont obligés d'aller faire des choses pour se protéger. Ce que je vous dis est la vérité fondamentale. C'est la vie. Ils n'ont pas besoin parce que les gens qu'ils servent déjà les protègent. Et Dieu les protège. Et les anges les protègent. Et toutes les forces invisibles les protègent. Je le dis pour les rassurer, pour qu'ils n'aillent pas se mettre dans des voies compliquées, difficiles, qu'ils auront à gérer plus tard, au risque de se mettre dans le rang des âmes errantes. Véritablement, lorsqu'on se met dans ces pratiques-là, on s'expose sans doute. Ah oui, on retarde son évolution, parfois pendant des siècles. Une âme errante, c'est une âme qui a dévié de la voie de l'amour et qui commence à emprunter la voie de la facilité. En résumé, sur la terre, rien n'est facile et tout doit se mériter. Vivre légalement. Ce que vous êtes capable d'offrir à la société vous le rend. Si tous les matins, mon imagination créatrice m'inspire à aller acheter des Kleenex, le mettre dans la mer et me mettre à un carrefour pour le protéger, pour le proposer à la société, mais la société me récompense à la mesure de ce que je lui offre. Donc, la personne va mener une vie. Pour pouvoir manger à midi, il faut que. Par contre, si votre imagination est capable de créer un vaccin, un médicament qui rend plus facile la vie de la communauté, mais la nature aussi vous le rend en facilitant votre vie. Donc, de façon pratique, sur le plan social, les personnes qui œuvrent pour un mieux-être social sont les plus protégées. Mais ils ne le savent pas. Et la peur de l'inconnu fait que très souvent, ils ne bénéficient pas de l'aide de Dieu. Il faut la foi, comme tu l'as dit, l'assurance. La certitude que les actes que je pose ne peuvent que générer de l'amour parce que issu de mon sacrifice, vous n'avez rien à craindre. Nier Dieu, c'est nier sa propre existence. Je vois des gens qui disent qu'ils sont athées. Non. Voilà, justement.
Souvent, eux-mêmes savent, parce que aux moindres difficultés dans la vie, ils sont les premiers à dire hey, « Eh Dieu !» Donc, l'être humain ne peut pas vivre sans Dieu. Et pour atteindre Dieu, il faut faire ce que dit la personnification de l'amour qu'est le Christ. Il faut voir dans son discours programme les différentes épreuves que nous sommes en train de vivre. Est-ce que j'ai soif de justice? Qu'est-ce que je vis? On est en train de mentir sur moi, on est en train de vivre, je suis en train de vivre une situation d'injustice. C'est là que la foi en l'amour personnifié doit se mettre en mouvement. Parce qu'il l'a dit. Et avec assurance, il a dit ce que ceux qui sont assoiffés de justice seront consolés. Donc c'est là que la foi doit se mettre en mouvement et faire la démonstration de ce que dit le Christ. Alors, quelle est la finalité de l'amour? Nous ouvrir à une autre dimension. Et l'amour, lorsqu'on arrive au stade de l'amour, à l'amour christique, et l'amour christique a ceci de magique que lorsque vous appartenez à une famille et que vous avez cette grâce d'avoir l'amour christique, de vivre dans la dimension christique, tout ce que vous avez fait de mal à toutes les personnes depuis que vous existez, tout cela auront des récompenses instantanées. Lorsqu'on a accès à ce stade, commence une autre vie. Donc l'amour peut être considéré comme un passeport pour intégrer la vie divine. Sans ce passeport, on n'a pas accès au royaume. Donc ce n'est pas la connaissance qui donne accès au royaume, c'est l'amour. La connaissance nous fait prendre conscience de notre infinitude et développe en nous l'humilité. Et avec l'esprit d'humilité, on a accès à l'amour qui nous ouvre les portes du royaume. Parce que les connaissances du monde divin n'ont rien à voir. Ce sont des connaissances pâles par rapport aux réalités divines. Donc l'amour n'est pas une finalité. L'amour, c'est le début d'une autre vie. C'est un passeport qui nous permet d'avoir accès à une autre dimension. Mais pour y avoir accès, nous devons nous user. Parce que chaque acte de sacrifice nous donne une compensation. Lorsque je te fais du bien, je reçois une compensation et puis c'est instantané. Le bien que je te fais, la récompense est instantanée. Ce n'est pas demain que j'aurai la récompense. La récompense est instantanée, mais le résultat peut être différé. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que le principe de la Trinité, Oui. le Père, le Fils et le Saint-Esprit, L'esprit. les trois sont un. Le Père est la volonté, le Fils est amour, Amen. l'esprit de sacrifice, le Saint-Esprit. L'esprit, oui. Si les trois sont un, ça veut dire que lorsque ma volonté se met en mouvement pour faire du bien, l'amour soutient mon œuvre, mais les récompenses sont instantanées. Mais le caractère instantané de l'amour n'est pas la même chose pour l'acte que ce que nous allons recevoir, parce que c'est aussi le Seigneur des temps. Donc quand nous posons des actes d'amour, la récompense est instantanée. Tu me diras comment?
pour avoir fait ce geste d'amour, la récompense est instantanée et compense ce qui va arriver de désagréable Rien demain. demain. Mais on ne sait pas. Voilà pourquoi il faut semer, continuer de semer les graines d'amour, sans nous poser de questions. Et méditer alors le psaume 91, tu marcheras sur l'aspic et tu ne heurteras pas la La pierre, même pierre. si tu marches dans l'obscurité. Okay. Une force soulèvera ton pied. Et c'est la certitude spirituelle. Donc, moi, je pense que c'est un des psaumes les plus fantastiques du christianisme. Et c'est la preuve aussi de la cristallisation à tout moment des œuvres d'amour. Et il faut vivre sa foi, en fait. Il faut vivre pleinement sa foi et continuer. Et de savoir que tant que je suis sur la voie, que je prends conscience de ce que qu'est le sacrifice, que mon don pour les autres génère l'amour dans ma vie, et avancer. Avancer sans peur, parce qu'il arrivera un moment où même ceux qui sont détenteurs de l'esprit du mal ne vous verront plus dans leur radar. Alors, lorsqu'on prend par exemple l'arbre de vie kabbalistique de la tradition judéo-chrétienne, quelle est la sphère qui correspond à l'amour? C'est Chokhmah. Toute la colonne de droite est l'amour. Toute la colonne de gauche est la connaissance. Et vous savez que la colonne de droite, il y a trois séphirot, Chokhmah, Chesed, Netzach, qui sont les trois manifestations de l'amour. À gauche, Bina, Geboura et Chod sont les trois manifestations de la connaissance. On a évoqué tout à l'heure le niveau social, le niveau individuel. Alors, parlons maintenant du niveau absolu, lorsqu'on évoque le concept d'amour. Le niveau absolu, c'est l'idéal de tout être humain. C'est ce que nous sommes venus chercher. Et la triade supérieure de l'arbre de vie qui est Keter, Chochma, Bina. Et si on arrive là et qu'on commence à travailler de manière inconditionnelle, et que l'amour lui-même commence à vous porter, et c'est une autre dimension. Les personnes comme Mère Teresa, comme toutes ces âmes qui ne peuvent pas vivre sans porter secours, Autrui. c'est que quelque chose leur manque. Là, on passe au stade de l'amour absolu. Est-ce que l'on peut vraiment dire que l'amour est désintéressé? L'amour est intéressé parce que, comme je viens de vous le dire, et à partir du moment où vous commencez à œuvrer vraiment sur le plan social, à pratiquer le sacrifice qui génère l'amour, des sentiments de joie et de paix profonde pour les autres, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt sous-jacent. Ça veut dire que je suis conscient que par les actes que je pose, je génère l'amour. Mais comme intérêt, ça vaut le coup. Mais lorsqu'on prend par exemple, puisque nous sommes au niveau absolu, au degré élevé, lorsqu'on prend par exemple les maîtres ascensionnés, disons ceux qui ont fini quand même tout ce qu'il y a comme apprentissage d'être, qui ont vidé tout ça. Est-ce que à ce niveau, on peut dire que ceux-là sont plus enclins à manifester l'amour désintéressé? Oui, eux, ils sont l'expression vivante même de l'amour. Ils sont patients, ils ont vu, déjà tout vécu. C'est des âmes qui nous ont précédés et qui, pour en arriver là, ont subi le même parcours que nous. La vie, c'est un parcours qui se construit pas à pas et dans la confiance et la persévérance.
Et en prenant conscience que nous sommes venus sur Terre pour chercher un ticket, celui de l'amour qui nous permettra d'avoir accès à notre véritable dimension. Mais généralement, on ignore tous ces paramètres-là. On fait comme si, bon, on est sur la Terre éternellement, qu'on n'y va pas, qu'on ne la quittera plus. Heureusement que vous avez des émissions comme celle-ci pour nous permettre de nous enraciner dans certaines réalités transcendantes et pouvoir changer les paramètres et notre façon de voir la vie qui nous permettra de voir que la vie, en fait, elle est faite pour être vécue et que toute petite joie que nous créons va dans le sens de l'évolution de nous-mêmes, mais aussi du monde. Merci Hippolyte Fatoumbi, souverain grand métatron à l'UMPETU. Je vous donne quelques secondes pour la conclusion de cette émission. Ben, je vous remercie infiniment. Chaque fois que j'arrive, cette opportunité m'est offerte pour parler aux Béninois. Et j'espère que le thème d'aujourd'hui va nous faire réfléchir tous et savoir que la vie est simplicité. La vie, elle est belle, elle mérite d'être vécue et qu'on prenne conscience que le gémissement de la mère précède le cri de l'enfant. Si on comprend ça, on comprendra que la vie ne peut exister sans notre participation. Merci Hippolyte Fatoumbi. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro de votre émission Au cœur du mystère. On se donne rendez-vous dans un mois pour un autre numéro. Merci et à très bientôt.